Et donc salut tout le monde, c'est Dantino124, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de notre road trip à la à San Francisco. On allait dire Los Angeles, mais bon, voilà, pas... Pas, voilà. Bon, arrêtez de dire, c'est que c'est Los Angeles, voilà. Donc oui, donc on est en train de partir direction San Francisco, donc là vous pouvez voir qu'on est au parc national de Yosemite. Donc il y a une espèce de grand parc, c'est un grand parc national en fait. À côté de l'activité du summit et vous pouvez voir que c'est juste bah, voilà, de toute façon c'est les États-Unis, hein. Bah, on va pas faire c'est les meilleurs là. Et voilà, donc vous pouvez voir qu'on traverse vraiment un grand parc, donc c'est normalement c'est un parc national si je me souviens bien. Et donc on va finir sur cette dernière partie de notre road trip, donc là on va vers San Francisco, c'est la dernière étape, 18 km en fin de Mustang ZT de 2015, donc c'est pas un street, c'est l'imperf, donc celle officielle de The Group. Donc qui est juste magnifique, je pense que c'est ma fin de Mustang préférée, ça va pas assez plus loin. Bon, l'adventure est génial et je me tape. Ah, il y a un mec en moto, bonjour. Tu me suis toi? Bon. Hop, hop, voilà, comme ça. Et franchement, ouais. Franchement, là, moi, disons, quand je vais arriver à San Francisco, je commence à faire le taré. Disons, le taré, le psychopathe. Putain, par contre, tu vas casser les couilles avec sa moto de merde. Oh, ça va, tranquille, toi, avec ta moto prof 2. Tiens, tiens, elle bouffe-toi le camion. Oula, alors ça, là, ça serait tellement bien qu'on puisse faire un drift. Je sais pas si dans le DLC, The Crew, elle ramène la forme du Mustang, elle y a en drift. Si elle y est, honnêtement, je joue. Voilà, c'est pas. On va faire pire, hein. Alors, si ça y est, on va pas tourner autour du coup. Bon bah, donc, bon bah, je vous accompagne à San Francisco avec un mec qui s'appelle Gaster 25, Calster, ouais Calster 25, ouais, très bien ça. Et donc normalement, si je calcule bien, bah, je vous souhaite un joyeux Noël. Voilà, pas, ça est bon, un petit peu en retard, parce que disons que à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est pas encore à Noël, mais à l'heure où j'ai posté cette vidéo, normalement, Noël devrait être passé depuis environ un jour. T'as pas honte, toi, tu me casses les couilles avec sa moto de merde. Là. Allez, tiens, passe-toi. Faut pas me faire ci, tout connard. Ah putain, oui. Bon, bah, t'as une activité à faire, là. Hop. Yep. Et donc là, on descend de la montagne. Ouais, c'est bon. Bon, après, wow! Et ça réplaque. Hop. Ah ouais, donc je suis désolé parce que c'est n'importe quoi. On dirait que je faisais buste nu, c'est abusé. Allez. Allez, au moins avoir la médaille de bronze, allez au moins. Et ça, c'est des petites activités qui vont nous faire évoluer en fait notre voiture. Donc, vous pouvez voir que la mienne est level 854. Ça nous fait évoluer. Donc là, j'ai le taille de le truc de bronze parce que c'est réducteur de poids. Ok, alors je pense que ma voiture est trop haute. Ah non, ah ok, bon, bah, je l'active. Vous pouvez voir que ça fait augmenter ma voiture. Donc, c'est franchement bien. On va dire que c'est vraiment pas mal. Voilà. Oh putain, mais l'autre il y a le retour, sérieux. Vous savez quoi, les joueurs sont vraiment des casse-couilles. Des fois, franchement. Donc là, on y va. Donc on a 11 km dans les plaines californiennes. C'est un truc bien. Attends, vas-y, je viens de Eh, Fred! Allez hop! Attends, mais non, connard, tu vois. Ah, il veut jouer avec moi, lui. Il veut jouer. Ah, il veut jouer, les petits. Allez, vas-y, casse-toi. On se me promène. Oh putain, oh bah tu sais, planté ton. C'est bon. Voilà. Alors on va essayer. Donc je vais essayer de capter où est San Francisco parce que là. Moi on a 8 km. Donc théoriquement on devrait bientôt voir San Francisco. Ah, je crois que j'ai vu le pont. À droite on a vu le pont. Donc si vous l'avez pas vu, vous remontez un petit peu la vidéo. Vous verrez la taille de la vidéo quoi. Oh putain! Et ça replaque. Oh putain, ok, la voiture qui spawn juste devant moi, ok. Ça c'est tout à fait normal ça. Donc on va essayer de capter San Francisco. Et puis on la visitera, on va aller visiter un petit peu parce que je pense qu'on va être vachement d'avance. C'est qu'on a... Passe au wow. Doucement.
Ah. Ah, on voit le pont. Ah, on voit le pont, attendez, on va se mettre un peu comme ça. Putain, mais hey, l'autre il casse vraiment les couilles par contre. Honnêtement, l'autre il casse vraiment les couilles. Bon, on arrive à San Francisco, hein. Voilà, on est où? Bay. Je pense que juste que c'était marqué. On va tourner par là, tiens. On va voir si les docks, ça se passe. Bon, ça a rien d'utile de visiter ça, mais on va dire que c'est utile. Casse-toi là, putain, allez! Eh, c'est vraiment des gros fils de pute, les gens. Je veux dire, moi je profite, je vais vous montrer genre, un bon plan de vue. T'as vraiment un mec qui vient de casser les couilles et qui vient de faire ça. Bon, allez. Alors, San Francisco là, c'est bon, on a assez visité les docks, ça servait à rien du tout, mais on va dire que ça servait à quelque chose. Hop, go San Francisco, même. T'as envie de le voir là, Goudon. Ok, le radar il va nous faire passer par je sais pas où. Donc on va passer normalement vers le par le Bay Bridge, si je me souviens bien. Passer par le Bay Bridge. Putain. Oh, bon bah tiens, bah allez, va te faire foutre. Va t'envoyer dans les poteaux toi. Ah merde. What? Ok. Ah, on arrive. Bon bah voilà les amis, c'est la dernière étape. Donc si vous voulez des vidéos sur The Crew, des road trips, genre c'est pas pour descendre vers Miami exemple. Vous me le dites, c'est Zulfa. Voilà, c'est pas grave. Enfin, et moi, je vous laisse là. Allez, salut! Non, c'est déconne. Non, c'est une blague, c'est pas grave. Wow! Putain! C'est pas les coups, putain, mais. Oh! Gros gamin, là, putain. Putain. Alors, ah. La Transamérica Pyramide, en plus juste devant. Le Golden Gate. Ah, et le Bay Bridge. Ok, par contre, le Bay Bridge est putain de mal fait, mais bon, ça c'est pas, pas. Voilà. Parce que la campagne, normalement, il y en a 4. Oui, je suis expert dans San Francisco. Et alors, ça vous fait quoi? Vous avez une photo? Bon, mais cool, hein. Bon. Non, c'est moi. Oh non, putain. Attends, on arrive. Je pense qu'on va aller au Golden Gate Park. Vite fait. Oh, Golden Gate Park. Donc ça, 27 minutes, on va aller voir un petit peu le Golden Gate. Hop, Quenel. Hop, Quenel. Ah, le quartier chinois qui est très réputé à San Francisco. Putain, Tokyo, putain. Quartier chinois, voilà. Ah. Ah, putain, là, putain, mais il arrête de me faire chier, lui. Je visite, hein, franchement, je visite. Je trouvais en fait la Transamérica, en fait, c'est ça le truc. J'essaie de trouver la Transamérica. Qui est une tour que j'adore. J'essaie de la trouver. Ah, mais elle est là. Ah, mais elle est là, voilà, la Transamérica, juste là. Qu'on voit aussi dans cet San Andreas, si je me souviens bien. Elle est vraiment. Ouais, moi, ça ressemble vraiment, c'est vraiment ça. Ah oui, là, nous avons le Lombard Street aussi. C'est là, voilà, voilà, la route en zigzag. Avec la vue derrière du port. Bon, voilà, on va pas se priver, hein, on va pas se. Voilà. On va pas se. Voilà. Il y a que c'est tout terrain, on va prendre. Non, ça se fait. Enfin, en gros, ça fait des zigzags. En gros, c'est une rue qui fait zigzag. Et on va essayer de trouver une Golden Gate Park maintenant. Hop. Oh, les montagnes derrière. Oh, les montagnes derrière. En plus, elles sont putain de bien faites. Là, tu m'as cassé. Oh, là, c'est parti, merci. Il est parti de la session, là, tout droit. Ah, le Golden Gate, juste devant. Ah, bah ça fait plaisir. Enfin, on arrive à San Francisco au bout de 4 épisodes. Au bout d'un mois de route, on arrive. Là, pas. En plus, à l'heure où se tourne cet épisode, normalement, l'épisode de 3 devrait être sorti. Voilà, le Golden Gate Park, il est là. Là, ça ressemble vastement par contre à Zeta San Andreas. Oui, Zeta San Andreas avec Sanfiro. Passe, attends, hop. Voilà. Bon, rien du tout en fait.
On va passer en dessous du pont. Et après, je pense qu'on va passer au-dessus. On va aller se mettre dans un petit coin que je connais hors de la ville, en fait. Où on va pouvoir voir, en fait, le Golden Gate. Donc, on va faire ça. Là, la place. Oh là là. Oh, s'il n'y a pas Alcatraz. Je sais pas s'il y a Alcatraz. Oh merde. Oh, tu peux pas me dire, what this shit? Donc, on va passer au-dessus du pont. Yep. Avec une. Là, il y a une place. Ouh. Petit sous-marin là-bas. Pardon. Pardon, esquive, ça va plaque. Hop là, voilà. Alors, vraiment, on visite, hein, franchement, là, on visite. Les petites maisons victoriennes, là. Ouais, c'est vraiment une ville que j'aimerais trop aller là-dedans. C'est un putain de cadeau. Alors, ensuite, j'y vais, je vous fais un vlog et genre un carnet de bord. Journal de bord, plutôt, journal de bord. Hop. Et là, on va prendre le Golden Gate. Là on a la tour derrière. La tour par contre qui est pas très ressemblante, c'est normal, elle est moins grosse que ça dans la vraie vie, mais bon après on va dire que c'est ça. Le Golden Gate. Est-ce qu'il y a Alcatraz? Non, il n'y a pas Alcatraz. Ah. Ah si si, sauf qu'il y a Alcatraz. Ah non non, en fait c'est juste une petite île de merde. Oh oh oh. Avec les montagnes juste derrière et tout. Au calme. Mais on va aller se mettre dans un petit village juste à côté en fait de San Francisco, donc on va y aller. Ouais, bon, par contre, il va falloir que je trouve une sortie rapidement parce qu'il me reste 3 minutes de vidéo et j'aimerais bien vous montrer ces menus. Et donc la sortie elle est pas proche. Alors, on quitte vraiment San Francisco pour le coup. Non, là on va dans le village côtier. Côtier de San Francisco. Donc j'espère que vous aimez bien ma Ford Mustang. C'est vraiment une Ford Mustang que j'ai vraiment. Enfin que je veux vraiment booster à fond. Parce que c'est juste ma voiture préférée dans le jeu en fait, c'est ça. Hop. On va suivre la côte. Hop. 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 Oh là là là. Doucement, oh, oh là 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 là. Oh, donc vous avez tué la scotchie de San Francisco. Ah, ah putain. Avec voilà un petit port. Je vois. Le Golden Gate qui est juste derrière. Bon, par contre, honnêtement, je crois qu'on va se téléporter parce que ça va être chaud. Honnêtement, ça va être chaud de s'y rendre. On va essayer, mais ça va être chaud, je pense. Hop, ça va plaquer. Donc voilà, donc si vous voulez un nouveau road trip, donc ça pourrait être pas mal, genre San Francisco, descendre vers Los Angeles, prendre la Highway 1, donc la route 1, qui longe le océan Pacifique de San Francisco à Los Angeles. Et genre pourquoi pas de là partir à Miami, Dallas, un truc dans genre. Ça pourrait être vraiment pas mal. Moi je suis partant perso parce que. Moi, n'importe où je vais, ça se fait pour être pas mal. Ah, on sort du. Ah ouais, c'est pas à côté. Ouais, effectivement, c'est pas à côté. C'est pas vraiment à côté, mais normalement, on devrait avoir quand même une assez bonne. Du pont. Ah putain, dégage avec ton dud. Du ragot en plus. Qui est dans défiance. Ah voilà, en plus là-bas, il y a la con. Bon, on va essayer de se grouiller. On y arrive aussi. Ouais, on y arrive aussi. En fait, on va se mettre où il y a le phare là-bas. Vous allez voir que ça va rendre une vue plutôt pas mal. Hop. Les flics, bonjour. Bon, par contre, la forme du tank, désolé. La boue et tout et tout. Ça va plaque. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, 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 oh putain, ça plus rien. Pas le temps de niaiser. Ah, ok. Bon, je suis mis dans un platane. On est dans une maison. Tant qu'on avance, c'est le principal. Ah, voilà. Ah, ben voilà, vous voyez qu'on a une bonne vue de là. Voilà. Bah, quoi de mieux pour s'arrêter ici que avoir une vue sur toute la ville, l'ensemble de la ville. Bon, mais moi, je vais vous laisser là, les amis. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, peut-être nouvel an, on sait pas. Donc, une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis ciao. Allez, salut.